Bonjour, bonsoir. On se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté après avoir découvert qu'on était un vampire. Alors ça, je m'en remets pas. On m'a dit que Neil apparemment était encore pire. Bon, après, je me souviens quand même avec Vladimir, le délire qu'il nous avait fait là au début. J'attends de voir. Pour l'instant, moi, tout se passe bien. Après, j'ai envie de te dire, on est un vampire. On dépend pas vraiment de lui au final. On va voir comment ça va évoluer après. Lorsque les échos d'une conversation me réveillèrent et que j'ouvris les yeux sur la chambre rose, je dus me rendre à l'évidence. Rien de ce qui s'était passé n'était un mauvais rêve. Ouais. Il faudrait encore que je comprenne exactement ce que j'avais vécu. Mais la discussion semblait animée et j'étais curieuse. On dirait une dispute. Ah, franchement, dans les lieux, ça m'étonne pas plus que ça, mais bon. Et ça vient d'en bas. Je pourrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Eh ben, allons voir qui se dispute. Si ça se trouve, je comprendrai mieux ce qui se passe ici. Non, tu vas juste découvrir que c'est monnaie courante ici. S'ils ont caché des choses, peut-être qu'ils sont en train d'en parler entre eux. C'est l'occasion d'apprendre la vérité. Il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Ok. Personne, ça vient du petit salon. On dirait là où je me suis réveillée hier. Petit salon, non, ça c'est la cuisine. Bon. Ils sont à côté, je les entends. Il y a Vladimir et Aaron et Raphaël a raison. C'est un gros changement et ça va bouleverser toute la dynamique de cette maison. On dirait qu'ils discutent des événements d'hier, peut-être qu'ils parlent de moi. Comme les nuages orageux envahissent le ciel bleu d'été, les temps changent vite. Et si je tendais un peu l'oreille, peut-être que j'aurais de nouvelles informations. Nous avons déjà eu des aventures similaires, ne serait-ce qu'Ivan, par exemple. C'est vrai que là, il se retrouve avec deux bébés vampires à gérer. Ça va être marrant. Permets-moi d'exprimer mon désaccord. Ce n'est quand même pas la même chose. Je vous avais expliqué que j'avais aidé Ivan à s'en sortir. Vous me connaissiez et vous saviez que j'étais fidèle à ma parole. Ron a prouvé avec courage et vaillance de nombreuses fois sa loyauté. Ce n'est pas le cas de Neil. Ah, d'accord, je vois. Tiens, Raphaël a l'air d'apprécier davantage Aaron que Neil. Moi aussi, je suis comme lui. Je me demande pourquoi. Il faut lui laisser du temps. Je suis sûre qu'il se fera à la vie avec nous. Mais Neil vit au manoir, pourtant, non? Après tout, je le connais. C'est quelqu'un qui cherche à aider les autres. C'est bien le problème. Tu le connais, pas nous. Ses manières sont irréprochables et j'apprécie sa courtoisie, mais je ne peux juger ni de sa sincérité ni de son honnêteté. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ne le connaissent pas? Est-ce que Neil vient d'arriver au manoir? Vous en aurez l'occasion. Avant, je ne connaissais pas Ethan non plus, et pourtant. Mais Béliath, oui. Et surtout, il n'était pas aussi puissant. C'est vrai que Neil, c'est un ancien. C'est pour ça d'ailleurs, je me posais la question, tu sais, pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas changé en vampire avant? Mais c'est vrai que eux sont plus récents, plus jeunes, on va dire, alors que un ancien a plus le pouvoir, je crois, de nous transformer direct en vampire que pour eux, du coup, c'était plus simple de faire de nous un calice. Neil puissant. Il a bien dit qu'il m'avait sauvé, alors que les autres ne pouvaient pas. Ce serait ça? Et si les intentions de Neil étaient moins bonnes qu'il n'y paraît? Je me demande quel serait le résultat. Allons, allons, Aaron. T'emballe pas. Tu t'emballes. Tu nous peins un tableau bien trop sombre. Oui, je suis sûr et certain que tout va bien se passer. Autant avec Neil qu'avec Lily. Eh voilà, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il pense de moi alors? Laisse-la donc en dehors de tout ça. Elle n'a pas demandé à devenir un vampire. On sait bien que c'est assez dur comme ça. Pas besoin de lui rajouter d'autres soucis. Vampires. Pourtant, ils ne savent pas que j'écoute. Est-ce que ce serait donc vrai? Tu as tout à fait raison. Le sujet de la discussion, le thème de notre concertation, c'est toi, Vladimir. C'était toi? Ah bon? Il parlait de Vladimir? C'est toi qui es venu nous voir pour apaiser les tensions. Ah d'accord, j'ai cru que c'était le sujet. Les tensions entre eux? À propos de quoi? Et si je restais encore un peu? Foutu pour foutu, autant que tu restes jusqu'à la fin de la conversation et que tu t'immisces même dans la conversation, pourquoi pas? J'ai encore du mal à comprendre comment tu as pu nous tromper ainsi. Il était de ton devoir d'informer tout le monde, Vladimir. Je ne voyais pas ce que ça pouvait changer pour vous. C'était mes affaires, ma vie privée. Si Ethan tenait un discours pareil, tu serais le premier à le sermonner. Je te rappelle que nous vivons en groupe, Vladimir.
Ton comportement était irresponsable et je n'aurais jamais cru ça de toi. Oh, tu sais, nous sommes tous capables de prendre des décisions surprenantes. Pour ma part, je comprends le besoin de discrétion, mais si, bien sûr, j'aurais préféré connaître tous les secrets du manoir. Moi qui n'a jamais fait d'erreur, qui n'a jamais voulu bien faire, et pourtant causer le chaos, qui est irréprochable, personne. Donc tu ne m'en veux pas. Je te pardonne, tout comme j'excuserai mon frère s'il venait à se repentir. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir l'air aussi coupable? Raphaël a l'air de s'être adouci, mais Aaron a l'air encore bien énervé. Vous savez, Neil n'était pas une menace pour le groupe. Il somnolait tout le temps. Il était à peine en vie. Qu'il vive au manoir ou non ne changeait finalement rien. Rien jusqu'à hier. Il était endormi, mais là, il s'est bel et bien éveillé. Hier, il est arrivé d'un coup et a pris le contrôle de la situation sans que personne ne bronche. Et il a permis de sauver Lily. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est une mauvaise chose. Son réveil, son attitude, on n'aurait pas pu rêver mieux. C'est vrai qu'il aura sorti une grosse épine du pied pour le coup. N'empêche, tu nous as caché la présence d'un ancien vampire dans le manoir pendant des années. J'avoue, c'est moyen. Niveau confiance, là, c'est comme s'il avait caché son amant dans la cave. Hein. Finalement, c'est un peu plus clair. Seul Vladimir savait que Neil vivait au manoir. C'est vrai, je ne peux pas le nier, mais j'avais d'excellentes raisons. Ça explique la méfiance des autres. Ça explique pourquoi Neil m'a laissé la chambre. Mais pourquoi? Pourquoi Vladimir n'a rien dit? Ça fait un moment qu'ils discutent et que je les écoute. Peut-être que c'est le bon moment pour aller les rejoindre. Je vais pousser la porte comme si de rien n'était. Je vais faire un peu de bruit et rentrer. Je préfère les écouter encore un peu. On va s'inviter, allez. Entrons comme si de rien n'était. Mon cœur battait la chamade. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Ma main tremblait en poussant la porte du petit salon. Il fallait que j'interroge ceux que j'épiais pour en savoir plus. Bonsoir. Ah, comment vas-tu? Ta chambre était à ta convenance? Oui. Je n'imaginais pas qu'il y avait tant de pièces dans le manoir. Il est grand. Déjà des questions? Effectivement, tu as l'air d'aller mieux. Mais laisse-moi te présenter Raphaël. Le destin l'a déjà mis sur mon chemin. Nous avons discuté un peu hier. Je suis ravie d'avoir l'occasion d'éclaircir un peu l'un des deux mystères qui vivent désormais parmi nous. Parfait, je vais pouvoir lui tirer les vers du nez. Deux? Mais vous ne connaissez pas Neil? Tu as parfaitement deviné. Vladimir, c'est le moment de lui expliquer, tu ne crois pas? Lily, écoute. Je connais Neil depuis longtemps. Il a été le premier d'entre nous à habiter le manoir. C'est grâce à lui que je me suis retrouvée ici. Sa présence m'a attirée dans cet endroit inhabituel. Ah, d'accord, ça explique le « j'ai été attirée par l'endroit ». Mais quand je suis arrivée, il était mal en point. Il était souffrant, il n'avait plus de force. Il m'a demandé de l'aide et j'ai accepté. Pendant plusieurs années, j'ai fait tout mon possible pour qu'il survive, sans qu'aucun autre habitant du manoir ne le sache. Il était plongé dans un profond sommeil. Il ne se réveillait que pour se nourrir avec ce que je lui apportais. Il n'avait même plus la force de mordre seul. Pourquoi tu as fait tout ça? Tu lui apportais des victimes et personne n'était au courant? Bon, ça on le sait déjà que personne n'était au courant. Pourquoi il a fait tout ça? Je pense qu'on... On sait à peu près pourquoi. On va mettre la baie plutôt. Non, des poches de sang. Ce n'était pas idéal pour qu'il aille mieux, mais c'était la seule alternative correcte. C'est peut-être pour ça qu'il a passé tant de temps dans ce coma étrange. Tu n'as pas tout dit à Lily, Vladimir. C'est vrai, je ne t'ai pas expliqué la promesse que m'avait faite Neil. En échange de mon aide, il devrait me guérir de ma maladie. Ah! Il est malade? Peut tomber malade un vampire? Ouais, c'est... Bon, après, tu vas me dire, on a bien Raphaël qui est aveugle, mais c'était avant qu'il devienne vampire. Tu es souffrant? Tu as fait un pacte avec, donc? Ah! Ah, je sais pas. La A ou la C? J'ai envie de poser les deux, en fait. On va mettre la C, c'est plus logique. Pardon. Oui, on peut dire ça comme ça. Je n'avais pas le choix.
Les rayons de la lune sont aussi néfastes pour moi que ceux du soleil. Je suis condamnée à passer mon existence enfermée, à l'exception des nuits sans lune. Oh ! Tiens donc ! Et Neil sait comment résoudre ce problème ? Oui, c'est un ancien vampire, beaucoup plus vieux que moi, ou même Caron. Il connaît beaucoup de choses. On a pu le constater. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les êtres que tous craignent sont pour lui de simples jouets. Sa pleine puissance dépasse l'entendement. Et apparemment, il vit parmi nous depuis des années sans qu'on l'ait remarqué. Il hibernait, mais désormais, il va pouvoir rejoindre pleinement notre groupe comme Lily. On verra, hein. Mais voilà, une jeune fille, tu sais pourquoi nous discutons. Jeune fille, pardon. Comme on ne voit que la partie blanche de la lune, je crois que je comprends. Ça fait beaucoup de choses à découvrir, je le conçois. Tu devras en parler à Neil. Oui, sûrement, j'ai besoin d'être seule aussi. Dans la solitude se trouvent souvent les réponses à nos questionnements les plus intimes. Je vous laisse, bonne nuit Lily. Je ne doute pas que Neil viendra te voir sans tarder. Neil, que personne ne connaît. Neil, qui dit qu'il va m'aider. Ma tête tournait, je chancelais. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Les idées dansaient dans ma tête comme des vautours. Je ne savais plus quoi penser. Je me sentais impuissante, désemparée. Neil, je ne peux pas lui faire confiance. J'ai appris des choses sur Neil, mais certainement pas tout. Je veux savoir avant de juger. Neil, je sais qu'il n'est pas humain. Pourtant, il agit comme tel. Je mettrais plutôt la B. Il faut que je sorte dehors, mais pas dans le jardin. Je ne veux pas voir là où je suis tombée. Je ne peux pas. C'est un petit peu logique. On va sortir devant le manoir. J'avançais à pas lents, assaillie par mes doutes et mes peurs, quand un sifflement bruyant retentit à mes oreilles. Ah ! Eh bien, j'avais fini par penser que Neil te cachait. Bonsoir, ma jolie. Neil ne dessine rien à ma place. Et vous êtes ? Pardon, quoi ? Vous êtes ? Belliat, enchantée. Mais je ne vais pas pouvoir rester discuter avec toi ce soir. Je vois que tu es déçue. Je n'ai jamais dit ça. Pas la peine de le cacher. Mais on m'attend au Moodlands. J'ai besoin de me changer les idées et rien de tel que la musique, la foule, la fête. Le tout en charmante compagnie. Le Moodlands, c'est un bar donc. Tu vas te chercher les victimes? Tu veux dire avec des filles, c'est ça? Et pas n'importe laquelle. C'est un peu ma seconde maison. Et avec un peu de chance, les problèmes se seront résolus tout seuls quand je serai rentrée. En gros, ils quittent le navire, quoi. Démerdez-vous avec vos problèmes. Moi, je me casse. C'est ça, en gros, qu'il dit. C'est pas mon problème. Mais tout le monde ne peut pas s'enfuir comme ça, n'est-ce pas? Bon, allez. Bonne nuit. S'enfuir, est-ce que je peux partir? Est-ce que j'en ai envie? Je ne sais plus. J'ai envie de comprendre, d'être sûre. Je ne sais plus ce qui est vrai ou qui je suis. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais pas t'être barré déjà? Zut, je ne pensais pas croiser quelqu'un, surtout pas comme ça. Ethan, je suppose? Ouais, bravo, t'as retenu un prénom. Tu cherches encore les emmerdes? Non, je voulais simplement... Écoute... En attendant que vous dégagiez, tu ferais mieux de rester dans ton coin sagement. Ça foutrait la paix à tout le monde. J'ai l'impression que ce soit moi ou Neil, on n'est pas du tout les bienvenus, dis donc, hein. Bon, ben, on va aller dans notre chambre, mais on peut rien faire, donc on va sortir. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Ah, ça y est, je peux sortir dehors, j'ai... un bec. Je poussais la porte du manoir de toutes mes faibles forces et l'air frais de la nuit m'accueillit. J'espérais que le vent qui me faisait grelotter m'aiderait à chasser les doutes de mes pensées. Je restais là un moment, immobile, le regard perdu dans le ciel. J'avais l'impression que la nuit m'appelait. Qu'est-ce que je fais là? Toute cette histoire des vampires, ça paraît fou. Et pourtant, je suis devenue comme eux. Et Neil, qui est-il? Même les autres ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Il faut que je sache. Il faut que je comprenne, coûte que coûte. Alors, c'est peut-être moi qui suis bébête, mais j'ai l'impression qu'elle se pose un peu trop de questions, non? À propos de Neil et tout ça, on s'en fout un peu. Le principal, c'est qu'on est sauvés, on est vampires. Il y a toute une vie qui nous attend devant nous.
On s'en fout un petit peu, non? De pourquoi, comment et tout ça, on lui doit rien à Nil. On n'est pas sans calice, on est un vampire, hein, on dépend de personne. Alors que les interrogations me torturaient, j'avais senti une ombre s'approcher de moi. Lorsque je levai la tête, il était là. Nil. J'aurais pu le haïr ou être effrayée, mais la curiosité fut la plus forte. Ah, Lily, je ne pensais pas te trouver là. La nuit est agréable, n'est-ce pas? Donc, on se tutoie maintenant. C'est vrai que je m'y sens bien. Tu étais partie? Ouais, on va être poli. Rien de tel que la faveur d'une nuit noire et paisible pour aller chasser. Ok. Chasser, comment ça? Pour me nourrir. J'en ai besoin pour reprendre des forces. Et quel plaisir de pouvoir y aller seul, de reprendre le contrôle, de se sentir de nouveau vivant, puissant. Ok, bon, vous savez quoi, j'ai plus de PA, ça y est, j'ai tout truqué et ça va encore. Je crois qu'on en a pour un petit quart d'heure, c'est pas plus mal. Bon, on va s'arrêter là du coup et la prochaine fois on reprendra avec un rythme bah, normal du coup. Et alors, ouais, je disais, j'espère que on va pas trop nous mettre un petit peu dans les pattes de Nil en mode on dépend de lui parce que bah, on est un vampire, on n'est plus un calice maintenant, j'ai envie de dire, elle fait un peu ce qu'elle veut avec qui elle veut, non? Je sais pas, on va voir. Après, bon, j'ai hâte de savoir un petit peu parce qu'on m'a dit que c'est avec lui qu'on va apprendre le plus. Enfin, on devait aussi apprendre avec Vladimir, mais bon. Vladimir, d'ailleurs, on a appris qu'il est malade. C'est un peu. Il craint aussi les rayons de la lune. Et c'est vrai que on l'a jamais vu dehors, il me semble. Non? Ou en tout cas, ça n'a jamais été mentionné maintenant que le jeu nous le dit. C'est vrai que j'ai jamais vu Vladimir dehors, ou peut-être une exception près, mais c'est vrai, je me suis jamais posé la question, mais bon, on verra ça la prochaine fois. Bisous!